C'est ça. T'es mon orange, t'es ma prune, t'es mes fraises. T'es la plus belle coupe de fruits de ma vie. Et ta femme? Quoi, ma femme? Ma femme, tu sais, elle est très vieille. Elle n'a plus toute sa tête, ni sa mobilité d'ailleurs. Elle est sur un fauteuil roulant depuis maintenant 5 ans. Et elle pousse des petits cris pour dire qu'à la fin, c'est pas très beau à voir. J'aime pas tellement parler de ça. Tu m'avais jamais dit ça. Ben non, c'est tellement dur. Oh, la pauvre. Ben, c'est difficile pour moi aussi, hein, parce que l'homme que je suis, comment il fait pour avoir une vie d'homme, hein? J'ai pas envie d'entendre crier une femme, juste parce qu'elle a faim. Je comprends, ouais. Oh. T'es beau quand t'es triste. J'aurais pas dû te dire tout ça, mais j'ai du mal à mentir. Mais comment tu veux que je tombe pas amoureuse de toi, moi? Hein? Camille. Antoine. Dis-moi quelque chose. Merde. Quoi? Non, merde, il y a ma femme. Ta femme? Elle vient de rentrer là, elle se dirige vers nous. Ah bah, elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Tu ne me présentes pas? Si, bien sûr. Camille, une amie. Une amie avec qui il couche? Oui, alors plus exactement, c'est ma maîtresse. Ex. Joshua, mon amant. Antoine, mon mari. Caroline, ma femme. Madame, cette table est libre. Voulez-vous vous y installer avec votre fils? Ce n'est pas mon fils. Si, c'est son fils. C'est son fils, c'est ma fille, elle c'est ma femme et on dîne tous en famille. Voilà. On est juste pas arrivés en même temps. Ça arrive. Alors, Joshua, tu dis bonjour à ta sœur. Chérie, tu dis bonjour à ton mari. Comme on fait dans toutes les familles unies. Le champagne arrive. Monsieur. J'ai jamais commandé de champagne. Bien, monsieur. Il y avait un coca pour la petite. Très, à tout de suite. Je suis contente, maman, que tu n'aies plus besoin de ton fauteuil roulant. Moi, je suis content, papa, que tu ne sois pas mort.